Bonjour à tous. Le CAC 40, qui sort d'une performance hebdomadaire tout juste positive, évolue autour de l'équilibre à l'ouverture. Et on suivra L'Oréal. Le groupe rachète IT Cosmetics, l'une des marques américaines sélectives de beauté qui connaît la plus forte croissance du secteur pour 1,2 milliard de dollars. Vive hausse des bénéfices semestriels de SEB. Le groupe a fait bondir sa marge opérationnelle au premier semestre dans la lignée de son bon début d'année. Et puis le cimentier Lafarge Holcim va se séparer du premier producteur de ciment du Sri Lanka. Il a signé un accord avec Siam City Cement, qui va dépenser 400 millions de dollars pour s'offrir Holcim Lanka. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui sera la plus embouteillée de l'année en matière de publication d'entreprises avant la trêve estivale. Aux États-Unis, près de 200 des 500 sociétés cotées sur le S&P 500 vont publier leurs résultats. En Europe, ce sont plus de 200 entreprises de l'indice Stoxx 600 qui passeront au révélateur. Le point d'orgue est attendu jeudi avec 78 grandes entreprises européennes. Mais la macroéconomie aura aussi son mot à dire cette semaine, puisque la Banque centrale va se prononcer mercredi sur ses taux directeurs. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous tout à l'heure à midi.